السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم سوف تتعرفون عن ليزون أوبليغاتوار انتيغديت اي فاكولتاتيف. ما معنى ليزون أوبليغاتوار؟ يعني ليزون الضرورية، انتيغديت يعني ممنوعة، وفاكولتاتيف يعني اختيارية. فاكولتاتيف تعني اختيارية، يعني ممكن أن نعمل لاليزو وممكن أن لن نعملها، ليس هناك مشكلة، يعني نطقنا سوف يكون صحيح. ونبدأ بتذكير. تذكير: لي فويال سون، وهما الحروف المتحركة اي ا او يغريك اه، يعني هناك ستة حروف متحركة. On dit en français les voyelles. Les voyelles هما حروف متحركة. On dit que H muet quand on peut faire l'illusion au singulier. Exemple: on ne peut pas écrire le arbre. On écrit l'arbre. يعني هنا كما تشاهدون le arbre on a e et on a a parce que h ne se prononce pas, donc on a e et a. يعني التقى عندنا e مع a. واذا التقى دو فويال، يعني حرفين متحركين في اللغه الفرنسيه، سو يعني نحذف الاول، يعني كما في اللغة العربية إذا التقى ساكنان فنحذف ما سبق. هنا نفس الشيء بالنسبة للفرنسية. On écrit l'arbre. L'homme devient l'homme. كذلك نفس الشيء. عندنا E وعندنا O. إذن نحذف E. ونعوضها بأبوستروف فتصبح لوم. لا إستوار كذلك دوفيان لإستوار. Et quand on peut faire la liaison au pluriel, exemple: des arbres, des hommes, des histoires. On prononce la lettre Z. Dix histoires, dix hommes, des arbres. يعني نعمل الربط بين S و I، بين S و O، بين S و A. On dit que H est aspiré quand on ne peut faire ni d'illusion ni de liaison. Exemple: le héros. Le héros. On ne dit pas le héros, on dit le héros. Et si on écrit ce mot au pluriel, ça devient les héros. Les héros, et non pas les zéros. C'est faux. La prononciation correcte est les héros. On fait la liaison lorsqu'on a deux mots. Le premier se termine par une consonne muette ou un H muet et le deuxième commence par une voyelle. Exemple: bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire. يعني الكلمة الأولى فيها حرف N. بون يعني هناك ان في اخر الكلمه، واول وثاني كلمه انيفيرسير تبدا بحرف ا، وهو 60 لتر فويل. اذا ندمج بين الاثنين، نربط بين الاثنين، بون انيفيرسير.
On ne fait jamais la liaison lorsqu'on a deux mots. Le premier se termine par une consonne et le deuxième par une consonne. Exemple, un bon repas. Un bon repas. الكلمة الأولى تنتهي بحرف ساكن والثانية تبدأ بحرف ساكن. هنا لا يمكن أن ننطق لا يمكن أن نربط بين الكلمتين بون غوبا، كل واحدة تنطق لوحدها بون غوبا avec N et R sont des consonnes هما حروف ساكنة. Après les nombres, après deux, par exemple, on dit deux enfants, on prononce Z. Deux hommes. Après trois, on dit trois ans, on prononce Z. Après six, on dit six ans. Après dix, on dit 10 ans. 10 ans. On prononce Z. Après 9, on dit 9 ans. On prononce V. On fait la liaison, mais on prononce la lettre V. 9 ans. Exception. On a qu'à stitna. Vif argent. Vif argent. On dit vif argent. On ne fait pas la liaison. 9 arbres. 9 arbres. Après « et », c'est le verbe « être »,« et ». « Il est évident ».« Il est évident ». On fait la liaison entre « t » et « e ». Exemple 2, « c'est à voir ».« C'est à voir ». On fait la liaison entre « t » et « a ». Entre un déterminant et un nom, par exemple, « un ami ». Des arbres, un appel, nous inviter. Entre le pronom sujet et verbe, par exemple, ils écrivent, ils écrivent. On fait la liaison entre S et E. On est là. On fait la liaison entre N et E. Nous avons faim. Nous avons faim. Nous avons faim. On fait la liaison entre S et A. Entre le verbe être ou avoir, à la troisième personne, ils sont intelligents. On fait la liaison entre T et I. Il est incapable. On fait la liaison entre L et E et T et I. Ils ont la chance. Ils ont la chance. On fait la liaison entre S et O. Il a le droit. Et là, le droit. On fait la liaison entre L et A. Après un verbe à la forme impérative, on dit par exemple, vas-y, vas-y. On fait la liaison entre S et Y. Ont-ils parlé? Ont-ils parlé? On fait la liaison entre T et I. Que fait-il? Que fait-il? On fait la liaison aussi entre T et I. Entre les pronoms compléments, on, y, les, nous, vous. Exemple pour en, j'en ai, j'en ai. On fait la liaison entre N et A. Exemple pour nous, nous avons regardé, nous avons regardé. On a fait la liaison entre S et A. Exemple pour vous, vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison. On fait la liaison entre S et A. Exemple pour Y. Il y a bête. Il y a bête. Il y a bête. Exemple pour les. Les adultes. Les adultes. On fait la liaison entre S et A. Entre l'adjectif et le nom. Par exemple, un grand avantage. On prononce T et non pas D.
un grand avantage D avec A, on prononce ta. On prononce ta. C'est la même chose pour un grand appartement. On prononce ta. Un grand appartement. D devient T. Un grand appartement. Un grand effort. Un grand effort. Un petit ami. Un petit ami. On fait la liaison entre T et A, ça devient ta. Un premier étage, un premier étage, un premier étage. On fait la liaison entre R et E, ça devient ray. R plus E, ça devient ray. Un premier étage. Entre l'adverbe et l'adjectif, il est très intéressant. Il est très intéressant. S et I. On fait la liaison entre S et I. Ça devient Z. Très intéressant. Trop heureux. Trop heureux. Trop heureux. On ne dit pas trop heureux. On fait la liaison entre P et E. On fait la liaison entre P et E, ça devient trop heureux. Trop heureux. Trop aimable. On fait la liaison entre P et A, ça devient trop aimable. Trop aimable. Trop aimable. Bien amusé. Bien amusé. On fait la liaison aussi entre N et A. Entre la préposition et le mot suivant. Par exemple, il est sous une table. Il est sous une table. Sous avec S à la fin et U. Ça devient sous une table. Sous une table. On fait la liaison. Il est sous une table. Chez elle. Chez elle. On fait la liaison entre Z et E. En été. En été. On fait la liaison entre N et E. Dans les noms composés, les fils Asma al-Murakaba, Mitel, les États-Unis, comme les États-Unis, on a fait la liaison entre S et E et aussi entre S et U. De plus en plus, de plus en plus, on a fait entre la liaison entre S et E. De mieux en mieux. Entre X et E, de mieux en mieux. Tout à coup, entre T et A. On a fait la liaison entre T et A. De temps en temps, de temps en temps, entre S et E. On a fait la liaison entre S et E. Avant-hier, avant-hier, on a fait la liaison entre T et I. Tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure, on a fait la liaison entre T et A. Tout à coup, on a fait la liaison entre T et A. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, on a fait la liaison entre T et A. Entre la conjonction quand et un pronom sujet ou indéterminant. Par exemple, quand il fait beau. Quand il fait beau. Quand il fait beau. On prononce T et non pas D. D plus I égale à T. On prononce T. Quand il fait beau. Quand il fait beau. Un autre exemple, quand on a fait. Il est toujours on prononce T. Quand on a fait, on prononce T. Et non pas D. Quand on a fait. Quand une voiture part. Quand une voiture part. Quand une voiture part. On prononce T et non pas D.
au lieu de prononcer D, on prononce T. Iwad an nantok harf et D, nantok harf et T. Fi akhir kalimat quand. Quand. Quand une voiture part. Liaison interdite. Ni rawabet al-mamnoua. Un nom suivi d'un adjectif. Par exemple, un enfant intelligent. Un enfant intelligent. On a là un arbet tei wa i. Et on a un enfant, adna ism, adna sifa. Intelligent, hiya sifa. Yani, la yumkin an arbet beynahuma, عندما يكون عندنا ism متبوع بصفه. هنا un enfant هو اسم intelligent يعني هو c'est un adjectif يعني صفة يعني لا يمكن أن نربط بين الكلمة الأولى والثانية نهائيا. On dit un enfant intelligent. ننطق كل كلمة على حدة لا نربط بينهما بتاتا. في المثال الثاني un enfant amusant. Un enfant aussi, c'est un nom. Amusant, c'est un adjectif. Donc, on ne peut faire jamais la liaison entre ces deux mots. Un sujet intéressant. Un sujet intéressant. C'est la même chose. Un sujet, c'est un nom. Intéressant, c'est un adjectif. Donc, on ne peut pas faire la liaison. Un temps idéal. Un temps idéal. Un temps, c'est un nom. Idéal, c'est un adjectif. Donc, on ne peut pas faire la liaison. Sauf, on a que c'est un accent aigu. Un accent aigu. Un accent, c'est un nom. Aigu, c'est un adjectif. Lekin, rabatna beina huma. Un accent aigu. Un fait accompli. Un fait accompli. Un fait, c'est un nom. Accompli, c'est un adjectif. Ou rabatma beinahuma. On a fait la liaison. Yani, يجب أن تحفظوا هذين الجملتين. هناك سيدنا. يجب أن تحفظوا. Le nom sujet et le verbe. Par exemple, les gens écrivent et lettres. Les gens écrivent et lettres. Il ne faut pas faire la liaison entre Jean et écrivent. Les gens, c'est un nom. Écrivent, c'est un verbe. C'est le verbe écrire. Donc, il ne faut pas faire la liaison. Il y a un rapport entre les kalimat, entre l'ism et le fi'l. Entre la conjonction et un mot. Entre la conjonction et, yani et itani wa. Et d'affaire, yani ya, wa. Et un mot, wa kalima. Mettez-le. Ils sont intelligents et intéressés. Ils sont intelligents et intéressés. On ne dit pas et intéressés. Yani, il ne faut pas faire la liaison. On dit ils sont intelligents. Et intéressé. Mithal akhar, j'ai une fille et un garçon. On ne fait pas la liaison entre et un garçon. Une pomme et une banane. Une pomme et une banane. On ne fait pas la liaison entre et une. Aussi. Entre un mot et un H lié, comme par exemple to homme, on a H, c'est un H lié, homme.
Le mot homme commence par un H muet, donc on ne peut pas faire la liaison. On ne doit pas faire la liaison devant le H aspiré. Par exemple, dit haricot, dit haricot. On ne dit pas des haricots, on dit dit haricot. Il ne faut pas faire la liaison ici. Lit handicapé, lit handicapé. On ne fait pas aussi la liaison entre S et A. On ne dit pas les handicapés, on dit lit handicapé. L'IH, l'IH. Devant un adjectif numéral comme un 8, un 8e, mais il y a une exception, on a qu'à 18, on fait la liaison, on a, on répète, mais il y a X, Y, U. 18, va tout se faire 18. 18e, 18e, 28, 28. Entre T et U aussi. Après le S dans le pluriel des mots composés, par exemple, 10 arcs en ciel. On ne fait pas la liaison entre S et E. On dit des arcs-en-ciel. C'est comme on fait la liaison entre C à la fin, K à la fin, des arcs, c'est avant S et le E. On dit des arcs-en-ciel. On ne dit pas des arcs-en-ciel. On dit des arcs-en-ciel. Et aussi, un autre exemple, les moulins avant. Les moulins avant. On ne fait pas la liaison entre S et A. Mais on peut dire les moulins avant. Les moulins avant. On fait la liaison entre N et A. On peut prononcer ça. Lorsqu'il s'agit d'une forme interrogative, quand le verbe se situe avant le pronom. Par exemple, quand, comment et combien. Quand est-il sorti? Quand est-il sorti? On ne dit pas quand est-il sorti. On dit quand est-il sorti. On ne fait pas la liaison entre D et E. Quand est-il sorti? Comment est-il sorti? Aussi avec comment. Quand arrives-tu? Quand arrives-tu? Je ne sais pas comment appeler. Je ne sais pas comment appeler. On ne fait pas la liaison entre T et A. Combien en as-tu pris? Combien en as-tu pris? Sauf l'équipe Hunaka Sitna. Par exemple, comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? On a fait la liaison entre T et A. Quand est-ce que tu viens? Quand est-ce que tu viens? Quand est-ce que tu viens? On fait la liaison entre D et E. Quand est-ce que quand est? On prononce T comme on prononce D comme T. Nous avons le harf D, ka harf T. Quand est-ce que tu viens? يعني نعود هنا D كما رأينا بحرف T. Quand est-ce que tu viens? Quand est-ce que tu viens? Quand est-ce que tu viens? On dit quand est-ce que tu viens? Après la finale ES de la douzième personne du singulier de l'indicatif présent et du subjonctif présent. Par exemple, tu portes un manteau. Tu portes un manteau. Il faut que tu partes en vacances. Il faut que tu partes
en vacances. Ici, on ne fait pas la liaison entre S et N. Tu portes un manteau et aussi entre S et E. Il faut que tu partes en vacances. On ne dit pas tu partes en vacances. On ne fait pas la liaison entre S et E. Si le douzième mot débute par Y, yaourt, yaourt, yaourt. On ne fait pas la liaison entre S et Y, sauf on a que si des yeux. On fait la liaison entre S et Y. Des yeux, on dit des yeux. On fait la liaison entre S et Y. Devant les noms de lettres de l'alphabet, mettre les points sur les i. Mettre les points sur les i. كما نقول يعني هذه الجملة يعني تعني نحط النقاط أو نضع الحروف نضع النقاط على الحروف يعني ندقق في أشياء. هذه الجملة معروفة يعني يعني عند الفرنسيين mettre les points sur les i يعني بحال اللي كيقول لي مثلا اجي نحط النقاط على الحروف يعني اجي ندقوا في هذه الاشياء في اشياء او في mettre les points sur les i. On ne dit pas mettre les points sur les i. Mettre les points sur les i. Et aussi l'IA. L'IA. On ne dit pas l'ISA. On ne fait pas la liaison. Après quelques prépositions, selon, par exemple, vers, à travers, envers, hors. نرى بعض الأمثلة. Vers elle, vers elle. On ne dit pas vers elle. On ne fait pas la liaison. يعني ما نربطوش ما بين S و E. Envers eux, envers eux. On ne fait pas la liaison. Selon eux, selon eux. On ne fait pas la liaison entre N et E. Les liaisons facultatives. On va voir l'ichtiyaria. Yani, ممكن أن نعملها ou ممكن أن لن نعملها. ليست هناك مشكلة. فنطقنا سوف يكون صحيح. On a le choix de les faire ou de ne pas les faire. Par exemple, Mitel, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. On a fait la liaison entre S et I. Mais on peut ne pas faire la liaison. Par exemple, on dit ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Nous sommes allés. Nous sommes allés. On peut dire aussi nous sommes allés. Yani sans faire la liaison. Mumkin annaqul nous sommes allés ou mumkin annaqul nous sommes allés sans faire la liaison. Bidoun rabt ma bayna S wa A. Pas encore, pas encore. Mumkin annaqul pas encore, pas encore. Dans un stade, dans un stade. ممكن أن نقول dans un stade, dans un stade. Sans faire la liaison بدون ربط ما بين S و U. وشكرا لكم وأتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم وأن تعملوا لايك واشتراك للقناة وإلى اللقاء.